Bonsoir tout le monde. Je suis Vincent Ball et je dois vous avouer deux choses. Un, je suis belge, donc c'est pour ça que je parle un peu bizarrement. Et deux, je suis ombrologue. Tout a commencé par cette tasse de thé que j'ai achetée au Vietnam. Et un jour, j'ai vu l'ombre de la tasse sur mon bureau et j'ai cru y apercevoir quelque chose. Éléphant. Et pour moi, c'était une étincelle d'inspiration. J'ai vu qu'il y a de la magie partout. Donc, depuis ce moment-là, je suis toujours en recherche. Je cherche des images dans les ombres et naturellement, l'ombre n'existe pas sans... sans la lumière. J'ai découvert que des créatures se cachaient dans les ombres de tous les objets du quotidien. Alors j'ai commencé à fouiller dans ma maison. J'ai tout pris, même les jouets de mes enfants. Et en fait, je suis devenu... un voleur. Ouais. Excusez-moi, mes enfants. Chaque objet sur Terre cache des images. Et parfois, même des extraterrestres. Oui, c'est devenu une sorte de manie, parce que même quand je mange du bon chocolat belge, je vois des choses. Ouais, mais je vais vous montrer. Ça m'a donné chaud. Mais heureusement, il fait plus frais à l'ombre. C'est vraiment rafraîchissant. Ouais, c'est cool dans les ombres, mais parfois c'est vraiment très très précis. Ça doit vraiment tomber pile. Moi, je trouve ça dingue comme ça peut donner de l'énergie, la lumière. C'est l'énergie solaire. Et aussi, il y a de la musique là-dedans. Surtout quand on est accompagné par Thomas de Prince. En fait, regarder les ombres, c'est un peu comme regarder les nuages. On y devine des choses qui viennent de notre esprit, un peu comme dans un test de Rorschach. Donc, forcément, parfois, je vois des scènes qui viennent de mes films préférés.
Singing in the Rain, ou Chantons sous la pluie. Parce que j'avais presque oublié qu'on était dans le pays où on traduit tous les titres du film. Où on ne dit pas Jaws, mais Les Dents de la Mer. Bon, voici les dents. J'espère que les ombres ont éclairé votre vie un peu, comme elles le font pour moi. Mais maintenant, pour nous, il est temps de partir. Merci.